Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Brick Actu hashtag 197, les vidéos dans lesquelles on découvre l'actualité chaude et brûlante de notre brique danoise préférée. Aujourd'hui, on est le 1er avril, petite vague de nouveautés. On va regarder dans cette présente vidéo un petit peu ce qu'on a à se mettre sous la brique ce 1er avril et on va aussi également parler des offres qui sont sorties et qui sont présentes dans le même temps. Dans un second temps, le 1er avril, eh bien c'est la première journée du Move for Muco 2023. Vous vous doutez, c'est un événement qui permet de lutter contre la mucoviscidose. L'objectif, faire 38 km en bougeant notre gras et évidemment inviter à la collecte de fonds, toujours encore une fois pour lutter contre la maladie. Bon, je pense que si vous suivez mon contenu, vous savez que je suis engagé par le biais des streams caritatifs SAM 2021 et SAM 2022. J'ai également fait le Move for Muco 2022 et ça, c'est mon beau t-shirt pour l'édition 2023. Et cette année, au-delà d'aller courir mes 38 km en plusieurs fois, j'ai également monté une cagnotte, une collecte. Voilà, pas d'objectif vraiment chiffré, mais uniquement l'idée de soutenir la cause comme pour les streams en fin d'année. Voilà, pas d'idée de manœuvre. Si vous avez envie de contribuer, eh bien vous le pouvez. Le lien sera en commentaire épinglé de la vidéo. Bien sûr, tout ça est toujours déductible à hauteur de 66% dans la limite des plafonds sur les impôts sur le revenu, tout ça. Bah, bref, vous connaissez un petit peu la musique, ceux qui le peuvent allez-y, et puis les autres eh bien juste aller courir, voilà. Et il est possible que je fasse un truc autour du 17 avril, je sais pas encore trop le format, j'y réfléchis, il y aura peut-être un petit truc. Bref, c'était une aide et en tout cas merci à tous ceux et à toutes celles qui feront l'effort de participer pour soutenir cette belle cause. Je vous propose qu'on aille désormais découvrir un petit peu ce qu'on a à se mettre sous la brique pour ce 1er avril. C'est parti. Wow, mais quel programme cette brique actu. Alors si t'aimes, t'oublie pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Pour rappel, c'est toujours bel et bien dans l'onglet offres de la boutique officielle Lego que vous avez le récap des offres. On va avoir un petit panier de packs jusqu'au 9 pour 70 € de dépenses, un petit carnet Friends pour 65 € de dépenses toujours jusqu'au 9. Et enfin pour les membres VIP, on a deux produits, la Maison du Monde version 2 pour 250 balles toujours jusqu'au 9 et un petit pack d'accessoires pour 50 € cette fois-ci. Voilà, mais il vous faut bien évidemment être membre du club. Le petit pack, le voici, hein, donc ça va être un petit polybag valorisé à 9,99 €. La maison n'est pas incluse, bien évidemment. Le petit carnet Friends, le voici. Voilà, pourquoi pas, carnet et stickers valorisés ici à 14,99 €. Le petit panier de pack qui est plutôt mignon et sympathique, valorisé à 19,99 €, il est ici, c'est plutôt mignon. Et enfin, bien évidemment, le gros gift with purchase du moment, à savoir la Maison du Monde version 2, bâtiment de type nord-africain, c'est le tout de beauté, c'est bien réalisé, mais bon, diantre, il faut lâcher 250 €. Bon, je me suis déjà brièvement exprimé sur le sujet, c'est horriblement cher en termes de seuil de gift with purchase. Alors oui, certains pourraient dire que Lego n'est pas obligé de nous faire des cadeaux, mais là, c'est simplement un moyen marketing de nous faire craquer, et le seuil est quand même relativement élevé. Et puis bon, ça fait partie d'une série de 4 bâtiments des Maisons du Monde, et au final, à 4 x 250, je vous laisse faire le calcul le x4, ça va sacrément piquer, et vous auriez tout aussi bien fait peut-être de vous payer un voyage. Moi je dis ça, je dis rien. Sinon, bien évidemment, on a les nouveautés de type Indiana Jones avec 3 boîtes, hein, puisqu'il y en a une quatrième qui a été perdue en route. On a ici la poursuite en avion de combat, 35 €. Ça sera expédié à partir du 12 avril, puisque c'est déjà en réappro. Voilà. Pareil pour le deuxième set, hein, comme quoi les sets ont plutôt bien fonctionné. 40 € pour cette fois-ci l'évasion du tombeau perdu. Et bien sûr, le diorama qui, lui, n'est pas en rupture ni quoi que ce soit. Le temple de l'idole en or, les traductions sont toujours un petit peu compliquées, 150 €. Voilà, ça, peut-être que je me laisserai tenter. Je vous avoue qu'il est très sympa, que Lego me l'a pas proposé, pardon, donc why not. On a ensuite quelques nouveautés dans la gamme Marvel, le casque peau de fleur qui est voilà, peau à crayon, qui est ici, hein. Je vous avais déjà publié très largement certains clichés lifestyle autour de ce produit. Why not, à 80 balles quand même. Des petits sets Marvel,
voilà, le Baby Groot qui a l'air plutôt mignon. Bon, j'ai hâte de voir le film, du coup, je vous avoue. On a ensuite toujours un vaisseau des Gardiens de la Galaxie, mais vous n'avez pas vu le cut au montage, bien sûr, avec l'erreur avec le GIF Whisper Chase, mais on s'en fout. Voilà, 100€ pour ce nouveau vaisseau des Gardiens. On verra le film un peu pour voir ce que ça donne dans la gamme Disney. Alors, j'aurais pas misé dessus, mais bon, 40€ déjà en rupture. Voilà, donc le petit train de la fête. Bon, en même temps, il y a les figurines. Voilà, donc je pense que les gens pour les figurines auront craqué sur ce 7-4+ qui, je sais pas si son rapport qualité-prix est claqué au sol, mais bon, je pense que pour les figurines, effectivement, pour les fans de Disney, ça peut être un must-have. Pareil pour le set là-haut qui semble avoir bien fonctionné à 55€ puisqu'il est déjà en réassort. On a ensuite un château qui est alors bientôt disponible parce que moi je suis pas voilà, je suis pas connecté avec mon compte, donc sinon en VIP hein, il est dispo évidemment. Et après on a les trois briquettes autour de Minecraft que je trouve très réussi et surtout qui marche avec ce format. Bon, je pense que je me prendrai les trois tranquillement, voilà, évidemment. Et enfin, la dernière grosse boîte du moment hein, qui est actuellement toujours pareil en accès VIP en avant-première au premier, eh bien c'est le Land Rover Classic Defender 90, voilà, qui je trouve qui est plutôt réussi honnêtement parlant. Il y a quelques belles photos lifestyle aussi avec ce produit, il est sympa. Et je le trouve, de mon point de vue, plus réussi que son prédécesseur dans la gamme technique. Voilà, je vais pas vous parler des quelques autres bricoles qui tournent autour, de rumeurs de X-Wing pour le mois de mai, mais ce qui est certain, c'est que cette vague du mois d'avril est relativement légère. Je suis pas sûr que le GIF Whisper Chase de la Maison du Monde hashtag numéro 2 soit une motivation suffisante pour cramer. Néanmoins, les 7 Indiana Jones, bon, vont forcément marcher, ça je suis pas inquiet, les 7 Disney aussi visiblement d'ailleurs, mais il faut pas se mentir que c'est au mois de mai qu'on va passer à la caisse avec les nouveautés Star Wars. Il y a pas mal de choses qui sont en train de sortir, on essaiera de suivre ça avec pas trop de retard, je l'espère, mais je pense qu'on va vider notre porte-monnaie et cramer le PEL au mois de mai, ça me semble assez assuré. Je vous rappelle que si vous faites des achats sur le shop, eh bien vous pouvez me soutenir en passant par les liens affiliés qui sont sous les vidéos. Ça permet de payer le matos, l'évasion fiscale et des restaurants 3 étoiles, donc c'est quand même super important. Plus important également, le lien en description et surtout en commentaire épinglé pardon de la vidéo, le lien vers la cagnotte Move for Muco jusqu'au 23 avril pour ceux qui le peuvent. Évidemment, 1€, 2€, on s'en tape. Ça permet de financer la recherche et ça, quelque part, c'est bien plus important que d'acheter du Lego ou que de passer par des liens affiliés. Soyons très honnêtes. Je vous remercie, je vous fais des bisous et on se tient au courant sur les réseaux sociaux. Je pense que je ferai un truc le 17, faut que je réfléchisse parce que là je pars une semaine en déplacement pour le boulot, donc je vous avoue que je suis très très pris et on m'a proposé d'être ambassadeur pour Move sur Formuco. J'ai répondu oui mais je sais pas trop, donc on verra. Voilà, mais ça risque de se passer sur Instagram. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, une bonne soirée et surtout, cramez pas toute votre thune, tout ça, parce qu'on est le 1er avril. Gardez-en, payez le loyer, payez la bouffe. Voilà, allez, ciao, ciao.